Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Jupiter, ou plutôt comment construire un notebook Jupiter. Alors qu'est-ce que c'est que le projet Jupiter? Donc c'est qu'une application web qui permet de construire un document enrichi qui associe deux fonctionnalités importantes, c'est-à-dire que vous pouvez créer un document multimédia associant du texte, des vidéos, des formules mathématiques, des images, des graphiques. Mais à l'intérieur de ce document, vous pouvez aussi écrire du langage interprété comme Python et vous pouvez aussi l'exécuter dans ce document. Donc c'est quelque chose, un document qui permet de faire tout dans le même document. Donc les documents ont pour extension IPYNB pour IPython Notebook. Alors maintenant, on va voir comment utiliser Jupyter en local. Alors vous pouvez installer la distribution Anaconda qui permet de tout avoir. Ensuite, une fois que c'est installé, il suffit de cliquer sur le raccourci Jupyter Notebook. Une autre façon, c'est de l'utiliser dans l'ENT. Récemment, il a été intégré, donc vous allez dans Mon lycée, Mes applications, et vous avez Capital. Donc une fois que vous cliquez, vous avez soit préparé des notebooks, soit partager une notebook. Donc aujourd'hui, on va voir partager des notebooks. Donc nous voilà sur l'interface. On va commencer par créer un nouveau notebook en choisissant Python 3. Voilà, le notebook s'ouvre. La première chose à faire, c'est de renommer ce notebook. On va le renommer par exemple Test 2 et on valide. Donc là, vous avez une cellule et on va choisir dans un premier temps Markdown. Donc le Markdown est un langage de balisage plus simple que le HTML qui va permettre de mettre en page notre notebook. Prenons par exemple une syntaxe en écrivant dièse chapitre 1. Ensuite, on exécute la cellule. Et voilà la mise en page. On peut par exemple continuer et marquer dièse dièse liste. Alors il faut bien sûr vérifier que notre cellule et bien en Markdown, on exécute la cellule et voilà, on a un titre de niveau 2. Alors on peut écrire aussi du code. Là, c'est du code Python. A prend pour valeur 2, B prend pour valeur 1 plus 10. On exécute cette cellule. Ensuite, dans la nouvelle cellule, on vérifie bien qu'on a du code et on écrit par exemple B, on exécute la cellule. Et ensuite, on obtient en sortie le résultat. Donc voilà pour un premier notebook, assez simple. Alors on peut construire quelque chose de beaucoup plus compliqué, ce que je vais vous montrer. Donc on commence par exemple à ouvrir un notebook que j'ai déjà préparé. Alors là, vous avez apprentissage de Jupyter Notebook. On double-clique. Donc là, vous avez la syntaxe Markdown avec les dièses et les doubles dièses. Il y a aussi les doubles astérisques, donc qui permettent de mettre les mots en gras. On peut aussi mettre du code LaTeX. Donc pour cela, en double-cliquant sur la cellule, vous remarquez qu'on met des doubles signes dollars qui seront ensuite interprétés en cliquant sur exécuter. On peut mettre aussi des liens vers des pages web extérieures. Donc vous avez ici l'URL, vous avez une syntaxe, donc vous exécutez et ensuite en cliquant sur le lien, eh bien, vous ouvrez une nouvelle page web. On continue. On peut insérer aussi des vidéos YouTube. Donc vous avez ici le code avec le code pour la vidéo YouTube. Vous exécutez la cellule, ça fait apparaître la vidéo. Ensuite, vous pouvez l'exécuter. Vous pouvez aussi intégrer dans votre notebook une page web. Pour cela, vous avez ici la syntaxe, vous reconnaissez l'URL de la page web, vous pouvez aussi modifier la hauteur et la largeur de cette page web, vous exécutez le code et vous avez intégré dans votre document une page web sur laquelle vous pouvez facilement vous balader. Ensuite, on peut mettre aussi du code, donc pour avoir du code Python. Donc voilà une première fonction distance. Les élèves peuvent ensuite répondre aux questions directement sur le notebook. Ensuite, là, il faut écrire une fonction. Donc, les élèves vérifient bien que c'est bien du code. Ensuite, on écrit le code de cette fonction. Donc, distance
etc. On exécute et vous avez tout de suite le résultat. On peut leur demander aussi d'écrire une fonction. Donc là, il y a toute une série de questions pour avoir un exercice. On vérifie qu'on a du code. Ils écrivent la fonction qui se nomme moyenne. Voilà, on exécute cette cellule. Ensuite, ils répondent à la question qui suit. Vous avez une cellule ensuite pour pouvoir répondre. On vérifie bien qu'on a une cellule code. On répond, on exécute et on a tout de suite la sortie. On peut intégrer aussi dans ce notebook des bibliothèques Python comme Pyplot et on peut exécuter le code et vous avez tout de suite en sortie eh bien, l'histogramme.